Dans le même registre, parlons des activités du réseau des journalistes pour le journaliste tchadien pour la promotion du sport. Adom Mangana Adom, président du dit réseau, a visité quelques établissements de la capitale pour échanger avec les différents responsables. Ngone Karimanyu, reportage. L'école tchadienne est déclarée gratuite par les pouvoirs publics à cet effet. Cette volonté des autorités tchadiennes n'est pas traduite en actes par les responsables en charge de ces établissements d'enseignement primaire et secondaire. C'est dans le souci de s'enquérir des réalités du terrain. Le président du réseau des journalistes, Adom Mangana Adom, par ailleurs expert en management des médias, a consacré son agenda ce mercredi dans deux grands établissements publics. D'abord, il s'est rendu au lycée technique commercial. Au menu de son déplacement, échanger avec les responsables en charge de cet établissement sur les modalités d'inscription et réinscription. Les élèves rencontrés à cette occasion déplorent les comportements des chefs d'établissement. L'inscription l'année passée, c'était à 7 500. Et des fois, quand tu viens, eux ils prennent 10 000 francs, 15 000, parfois ils prennent 8 000, 9 000. Avant, on faisait l'inscription avec 2 500 ou bien 1 750 seulement. Mais maintenant, c'est à 5 000 francs, tu viens, tu fais l'inscription, on te dit 12 000, 16 000. Du côté du proviseur du lycée technique commercial, les frais alloués pour les inscriptions permettent de répondre aux besoins de son institution. Chaque la rentrée, par rapport à ça, comme il y a une gratuité, comme on parle de la notion de gratuité de l'école, c'est une notion que les gens doivent comprendre, qui est très vaste. L'association de parents d'élèves et l'instauration du COGES dans les lycées, et également compte tenu de certaines difficultés, essaie de pouvoir augmenter légèrement les frais d'inscription. Compte tenu de toutes ces préoccupations, le président du réseau des journalistes pour la promotion du e-sport invite les responsables d'établissement à se conformer aux normes exigées par les responsables en charge du système éducatif. Le taux d'inscription, qui varie d'un établissement à un autre, bloque un peu les parents pour amener leurs enfants à l'école. Alors, nous anticipons pour prévenir un peu et préserver la paix. C'est la raison pour laquelle nous avons initié ce travail d'information et d'échange avec les établissements de la place pour harmoniser et mettre un taux raisonnable. Dernière étape de son déplacement, le lycée Félix Eboué. Là aussi, Adom Mangana Adom est venu s'enquérir de l'effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018.